Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir parce que ce sont des sujets qui me passionnent. Vous allez le voir rapidement. Et je pense qu'on devrait avoir des discussions intéressantes. Alors, j'interviens plutôt au titre de l'Académie des technologies, ce qui va me permettre d'avoir un propos libre. Mais évidemment, tout ça s'est construit sur le fait que je suis un chercheur opérationnel modélisant, plongé dans le management à partir des années 2000, à Bouygues Telecom d'abord, dans le groupe Bouygues et chez AXA. Donc j'ai un double pied, effectivement, et la première expérience nourrit la réflexion. Donc le plan que je vous propose, c'est le suivant. Je vais d'abord expliquer pourquoi il faut changer, donc parler des symptômes. Cette partie-là, finalement, elle est maintenant assez commune dans la mesure où beaucoup de gens sont arrivés au même diagnostic. Mais je vais m'appuyer sur mon expérience pour vous le faire vivre de l'intérieur. J'essaierai d'aller assez vite parce que ce n'est pas forcément original. Mais comme pour faire le chemin, il faut y croire, je vais quand même m'assurer qu'on partage un peu ces diagnostics en termes de désengagement, qui est probablement des problèmes les plus importants dans les grandes entreprises, mais aussi d'autres aspects qui montrent qu'on est arrivé. En tout cas, il y a un problème, il y a quelque chose à faire. La deuxième partie, c'est un des axes possibles d'explication. Que je dois à Yves Morieux, j'aurais pu citer aussi Jorgen Apello, il y a d'autres penseurs de ce micro-monde du nouveau management qui s'emparent de la complexité comme clé d'explication. Ce n'est pas une clé unique, mais c'est une clé extrêmement puissante. Et je vais essayer dans cette deuxième partie de vous montrer que, après tous les symptômes que j'ai évoqués, s'explique vraiment bien par cette question de la complexité. Et qu'évidemment, après, si on en fait une clé d'explication, on va pouvoir se poser des questions sur les réponses. Et ça, c'est effectivement l'état de pensée où j'étais arrivé en 2010 quand j'ai écrit le bouquin Processus Entreprise 2.0. Et puis alors, ce qui est frappant, c'est effectivement, en ce moment, ça bouillonne, ça frémit, ça converge. Et je vais vous présenter ce que j'ai appelé les principes de l'entreprise 3.0. C'est plutôt du marketing de la formule. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a au moins 6 ou 7 livres qui sont parus depuis 2010. Qui, avec des angles très différents, racontent un peu la même chose. Vous verrez que je vais utiliser Isaac Getz et l'entreprise libérée comme porte-drapeau, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Je prends celui-là parce que finalement, il est amusant à lire. Puis j'aime beaucoup Isaac Getz, qui est un super présentateur. Mais voilà, il y a au moins, en ce moment, dans les livres très récents, par exemple, il y a Exponential Organization or Reinventing Organization. Ce sont deux livres qui sont tout à fait dans la même philosophie. Donc, troisième partie, on va parler un peu principe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde de la complexité, je ne vais pas dire les principes, ça ne sert à rien. Les principes, ça sert juste à avoir une discussion de salon éclairé. Mais la transformation se fait forcément en mode émergent. C'est-à-dire que la caractéristique principale d'un système complexe, c'est qu'on ne va pas le faire évoluer par-dessus avec sa volonté. Il faut être de l'intérieur. Et donc, la quatrième partie sera tout sur les pratiques, sur un premier ensemble de pratiques qui caractérisent les organisations modernes qui ont compris qu'il fallait changer. Et on ne change pas en changeant la culture par le haut, on change en changeant la culture par le bas, et ça se fait à partir de pratiques. D'où le mot de kata, tiré des arts martiaux, que j'ai repris parce qu'il y a un très bon bouquin de Michael Rother qui s'appelle Toyota Kata, qui aussi essaye d'expliquer le livre par les katas. Mais le message le plus important de tout le monde exposé, c'est que si par hasard vous adhérez à cette idée de rupture de paradigme, les vraies armes de transformation sont vraiment la pratique. Ça se fait par la pratique. Et c'est assez fascinant. Surtout pour moi, qui suis évidemment tout sauf un praticien. Donc après, dans la conclusion, je vous raconterai. Moi, mon chemin, c'est vraiment une rupture en 2010, parce que je suis profondément... Alors moi, je suis normalien, j'ai fait de la modélisation, j'ai fait des maths, j'ai vraiment tout le contraire de ce que je vais vous raconter jusqu'à 2010, avec une vision du monde et de l'entreprise très différente de celle auquel je suis arrivé maintenant. C'est pour mettre un peu de suspense. Alors, la première chose qui frappe, c'est que la prise de décision est de plus en plus lente. On est tous... Alors, je ne sais pas dans quelles entreprises vous êtes, mais en tout cas, celles que je connais, et pas uniquement celles dans lesquelles je travaille, sont irritées par la constatation qu'on est lent dans la prise de décision parce que les circuits de décision sont bouchés. Voilà, d'où la métaphore avec cette belle autoroute à 10 voies là, en Chine. La prise de décision est devenue un handicap par rapport aux autres structures, en particulier par rapport aux start-up ou par rapport à d'autres formes d'organisation qui ne souffrent pas de ce problème. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a le problème des réunions. Donc, là, c'est la tarte à la crème des grandes entreprises. Alors, se plaignent de passer leur vie en réunion. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, puisqu'ils sont en réunion programmée, il leur manque les réunions impromptues. Donc, en fait, on passe son temps en réunion, mais on n'a pas le moment pour se croiser et pour échanger. Ce qui s'applique aux réunions s'applique aussi aux canaux de communication et en particulier aux boîtes mail. Donc, je vous commenterai ça un peu à la fin.
AXA, qui est une entreprise absolument merveilleuse dans laquelle je suis très content de travailler depuis pas très longtemps, et une entreprise dans laquelle ce problème de l'engorgement du mail est spectaculaire. Il est encore plus grand que chez Bouygues. Donc, on passe tous un temps extraordinaire à dépiler des boîtes, des boîtes mail. Et donc, on n'a pas le temps. Donc, évidemment, c'est un service vicieux. On les lit pas, donc on les renvoie, etc. Donc, vous voyez très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un symptôme universel. Et alors, face à ce fait que les canaux soient bouchés, la tentation naturelle, c'est-à-dire on va synthétiser. Vous vous rappelez, enfin vous avez le même, un âge à peu près égal au mien, donc vous rappelez la consigne du brief, faites-moi un brief sur une feuille, voilà, le mémo A4. Et alors il se trouve que malheureusement, dans le monde complexe dans lequel on est, vouloir comprimer, ça ne marche pas très bien. Voilà. Alors je vous renvoie au bouquin de Mintzberg, Managing, qui explique ça vraiment très bien en disant... ça a marché dans le siècle d'avant, cette idée que le manager, avec une abstraction du problème, allait pouvoir apporter une décision. Mais plus on avance dans le monde du XXIe siècle, plus en fait, quand je prends un problème et que je l'abstrais, le truc que je trimballe n'est plus du tout le problème. Et si je prends ma décision, en fait, je prends une fausse ou une mauvaise décision. Donc, malheureusement, on est bien dans une situation où on est bouché. Deuxième phénomène extraordinaire. Et je vous ai mis comme référence François Dupuis. Alors là, j'ai mis Lost in Management, j'aurais pu citer son nouveau bouquin. Dans ces grandes entreprises, on voit bien qu'on a tellement taylorisé que très souvent dans des réunions où des gens qui ne comprennent pas le problème parlent des gens qui ne comprennent pas la solution. Et ça donne une situation un peu ubuesque. Là, vous avez un cartoon classique dans le monde de l'IT sur l'incapacité à communiquer le besoin, et donc après, ça passe dans une espèce de téléphone arabe qui ne fonctionne pas, et à la fin, évidemment, on construit quelque chose qui n'a rien à voir avec le besoin, et c'est la conséquence du taylorisme, et je ne le mets pas dans le mode négatif, c'est-à-dire qu'en fait, le taylorisme, le breakdown and specialize, la décomposition spécialisation qui marchait bien pour les tâches du XXe siècle, marche de moins en moins bien. Et en plus, on a abusé des chaînes, c'est-à-dire qu'on a sur-spécialisé. Alors ça, c'était vraiment ce que j'ai vécu en arrivant à Bouygues Télécom, à l'informatique Bouygues Télécom. J'étais DSI de Bouygues Télécom, et on avait fait une organisation extrêmement intelligente, avec vraiment des spécialistes, des centres de compétences. On avait tout coupé en petits morceaux, on avait des feuilles de procédure remarquables. Et alors ça donne effectivement des conversations tout à fait étonnantes, parce que finalement, la personne qui a le besoin... lui savait ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin. Et puis ça passe. Et à un moment, on est quelque part au milieu de la chaîne. Et là, on est vraiment loin du problème, mais on est encore loin de la solution. On est encore loin de la personne qui, à la fin, va développer le système technique, les lignes de code. Et alors, dans mon blog, j'ai appelé ça le paradoxe de la chaîne de longueur 4, en disant finalement... alors nous, on a beaucoup regardé Free, évidemment, au fur et à mesure que Free nous taillait des croupières, on se demandait quand même, que se passe-t-il? Alors, chez Free, il n'y a pas de chaîne de longueur 4. C'est une chaîne extrêmement courte. La force de Xavier Niel, c'est d'avoir un contact direct avec ses développeurs. Le soir, quand il a fini de bosser, il descend, il va voir ses développeurs. Donc là, c'est l'idéal, c'est la chaîne de longueur 2. Mais même dans les circuits, il y a des chaînes de longueur 3, mais il y a vraiment ces raccourcis de manière spectaculaire. Alors, chez Bouygues Telecom, on s'est rendu compte du problème. On avait une phrase à l'époque, on a trop de barreurs et pas assez de rameurs. Là, vous avez un petit dessin récupéré sur le web illustrant la même idée, mais malheureusement, on ne le voit pas très bien. Effectivement, la plupart de ces entreprises, en général, pour 4 personnes qui travaillent, il y en a une bonne dizaine dont le rôle est de regarder les autres travailler en émettant des avis sur est-ce que la qualité est bonne, est-ce que le truc est à temps, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire autrement, est-ce qu'on a bien respecté les procédures. Et facilement, la réunion type avec 15 personnes, il y a au moins 10 contrôleurs de travaux finis pour 5 qui bossent. Et ça, c'est plutôt une bonne statistique quand ce n'est pas 2 qui travaillent et 20 qui regardent. Bon, je gère un petit peu, mais pas tant que ça. Alors l'autre caractéristique des entreprises, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises dans lesquelles je travaille, on a des talents extraordinaires. C'était vrai chez Bouygues Telecom, c'était très vrai chez Bouygues, c'est encore plus vrai chez AXA. Donc c'est des entreprises qui ont recruté, qui en tout cas, elle est bien ou qui vont bien. Donc il y a plein de talents. Mais quand on regarde comment les gens fonctionnent pour résoudre les problèmes qui arrivent, il y a un effet club. L'effet club consistant à dire « je fais toujours appel aux mêmes ». Alors ce n'est pas totalement par hasard, il y a un effet d'abord systémique, c'est que les outils qu'on utilise, sauf si on a pris l'habitude de travailler avec des blogs du 2.0, du Facebook d'entreprise, mais pour la plupart des managers des grandes boîtes françaises, ils sont encore au téléphone et au mail. Le téléphone et le mail, par définition, vous appelez des gens que vous connaissez. Vous n'avez pas, il n'y a pas la fonction, tiens, j'aurais parlé à quelqu'un qui s'y connaît en sécurité. En fait, non, j'appelle la personne qui est la plus proche de mon problème. Donc, quand on reprend un peu de recul et qu'on regarde, par exemple, 10 ans de Bouygues Télécom, situation de crise, il faut lancer un projet en urgence, il y a 15 personnes dans le comité de direction, et c'est toujours les mêmes noms qu'on ressort.
Et donc, on est une boîte avec 7000 personnes, au moins 2000 personnes talentueuses, et le CODG travaille avec 100 personnes qui sont les jeunes potentiels brillants à qui on peut donner une mission en urgence. Simplement, il y a plus de travail que les 100, et il y a au moins 700 à côté qu'on n'utilise pas. Et les gens qui ont regardé un peu cette notion de réseaux sociaux dans l'entreprise, qu'on théorisait, ont montré l'importance de tisser des liens faibles et de faire appel à l'intelligence de tous. Donc la théorie connue, mais la pratique ne fonctionne pas, et on n'arrive pas à utiliser le talent. Et j'ai vraiment vu des cas intéressants de gens très brillants qu'on a recrutés, qui ont quitté Boutique comme au bout de 2 ans, en disant finalement, on m'a jamais posé une seule question difficile. Et on se dit, on a une difficulté. Et il y a un dernier point, c'est que toujours ces outils qu'on utilise, vous savez comme moi, le téléphone, ne tiennent pas compte, il n'y a aucun effet retour sur la disponibilité des gens. Donc on contribue au tuyau bouché, à l'effet d'avalanche dont je parlais dans le premier slide. Alors l'autre, je dirais pas nouveauté, mais caractéristique qui est de plus en plus visible, et c'est très bien exprimé dans la plupart de la littérature sur le management, c'est qu'on rentre dans un monde dans lequel la difficulté à prévoir est de plus en plus évidente. Donc je vais revenir là. Et une des raisons, c'est qu'on croule sous l'information. Donc on a trop d'informations pour la comprendre, pour lui donner du sens. Et de toute façon, le fait de pouvoir transformer cette information en prévision sur ce qui va se passer est de plus en plus difficile. Et vous voyez où je veux en venir. Je vais évidemment en reparler dès que je vais parler de systèmes complexes. Mais là, je fais référence à tous les livres de Nassim Taleb. J'ai cité Antifragile, mais j'aurais pu mettre le signe noir de la même façon. Il faut qu'on apprenne, il faut apprendre pour l'entreprise à vivre. Nassim Taleb a une très jolie formule, il faut maintenant arriver à vivre la complexité sans vouloir la comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est une des caractéristiques d'un système complexe. Donc on vit clairement dans un monde de surcharge informationnelle, ça, je pense, avec trop d'informations et surtout de façon redondante, c'est-à-dire qu'en fait la même information arrive à tout le monde. Le truc le plus frappant chez Bouygues Télécom, c'était l'arrivée d'un nouveau iPhone, de n'importe quel nouveau matériel, provoqué chez 400 ou 500 personnes, les mêmes actes, vous allez voir les mêmes blogs, ils avaient les mêmes commentaires, etc. Donc toute la ruche se mettait à bourdonner sur le dernier événement et on n'avait finalement aucune façon d'éviter cette redondance. Alors quand on prend un peu de recul, on voit apparaître des tragédies des communs partout. La tragédie des communs, c'est quand vous avez un pâturage dans un bourg anglais il y a quelques siècles. Finalement, tant que les gens utilisent le pâturage raisonnablement, chacun pour ses moutons, ça fonctionne bien. Mais si tout le monde cherche à son intérêt individuel, l'intérêt collectif s'effondre et le pâturage est détruit. Et il se trouve que dans la communication d'entreprise, on a des tragédies communes partout. Le plus simple, c'est la réunion. C'est-à-dire que si dans une réunion, tout le monde a envie de parler et qu'il n'y a pas un minimum de culture, d'assaise de la parole et d'écoute, la réunion ne fonctionne pas. C'est aussi frappant parce que ces outils informatiques ont créé une asymétrie. C'est de plus en plus facile de produire l'information, alors c'est malheureusement le temps qu'il faut pour la comprendre n'a pas changé. Donc on a un déséquilibre qui est en faveur des producteurs, et on le voit donc dans les réunions, on le voit dans un certain nombre d'autres outils de communication. Finalement, l'intérêt individuel est contraire à l'intérêt collectif. Et je vais vous donner un exemple très, 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 sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé à Bouygues Télécom, qui est pourquoi avons-nous des lignes hiérarchiques quasi entière avec 2, 3, 4 personnes présentes en réunion et pas un seul représentant. Une des raisons pour lesquelles on a 20 personnes en réunion, c'est que tout le monde vient avec son chef ou son N-1. Donc, c'est complètement idiot. En fait, c'est pas complètement idiot. Pour ne pas faire ça, il faut que la structure se soit alignée avant et fait l'effort de monter la petite réunion pour envoyer un représentant. Et donc, la stratégie optimale, et ça prend du temps et c'est un effort. La stratégie optimale, c'est tous vos collègues sont bien élevés, ils n'envoient qu'un seul représentant, mais vous faites l'effort, vous faites l'impasse là-dessus, vous arrivez avec votre N+1 et N-1, et vous faites coup double, non seulement vous participez à une réunion qui fonctionne, mais en plus, vous êtes aligné, vous n'avez pas besoin à la sortie de vous dire à votre N-1 ce qu'il doit faire. Donc, on voit bien là qu'on a, c'est un exemple, une espèce de tension entre l'intérêt individuel et collectif. L'inadéquation des plans stratégiques, c'est un peu une tarte à la crème des années 90-2000. Hein, c'est effectivement que le strategic planning... Alors, est-il mort? On pourra en revenir quand on posera la question. Je ne pense pas qu'il soit mort, mais il est clair que si on regarde, si regarde l'histoire de la planification à Bouygues Télécom, d'un côté, elle est utile, d'un autre côté, c'est sûr qu'elle n'a pas la capacité à prévoir les phénomènes un peu complexes qui peuvent arriver. Et surtout, un de ses défauts, c'est l'égocentrisme, la myopie, c'est-à-dire que l'abus du modèle Excel, où, comme on connaît pas l'environnement, on ne le modélise pas, mais comme on connaît très bien son entreprise, on la modélise très bien.
Et ça donne ce que Alain Nicolaï, qui était le directeur commercial, un de mes collègues, dit, on fait finalement des choses qui sont précisément fausses, au lieu d'être approximativement justes. Et on est allé très très loin à Bouygues Télécom, c'est-à-dire en faisant, à faire des modèles, par exemple, de commissionnement ou des choses où on a des modèles Excel avec un nombre de variables et de lignes extraordinaires, alors que dans ce modèle, on ne prévoit ni ce que vont faire les parties prenantes, et encore moins ce que vont faire les compétiteurs. Et ça donne cette espèce de myopie dans un monde linéaire. En fait, on fait des petites extrapolations et on arrive à peu près à savoir ce qui va se passer. Dès qu'on est dans un monde complexe et qu'il y a des boucles, évidemment, on se trompe complètement. Et alors, on l'a vécu, en particulier sur nos règles de commissionnement. Un autre drame évident des entreprises d'aujourd'hui, c'est que malheureusement pour nous, on est entré dans un monde numérique dans lequel le logiciel joue un rôle clé. Et on voit bien que malgré plein d'efforts, si on se compare aux géants du web sur lesquels je vais revenir, c'est-à-dire au best in class, on a du mal. On est plutôt trop lent et trop cher. Et c'est de plus en plus un problème puisque, je ne sais pas si vous avez pu lire l'entrée de blog très célèbre de Marc Andreessen qui dit « Le software is eating the world ». Il y a du logiciel partout dans nos métiers, de plus en plus. Le logiciel, qui était une fonction support, une fonction de contrôle, devient le cœur du métier dans de plus en plus de domaines. Premier point. Et deuxième point, il y a de plus en plus de différences d'efficacité entre faire du logiciel comme autrefois et faire du logiciel différemment. Donc ça donne une possibilité à des gens qui sont des experts du logiciel de venir attaquer des entreprises classiques sur des métiers classiques uniquement parce qu'elles ont une bien meilleure maîtrise de ce cœur logiciel. Et c'est ce que Nicolas Collin appelle l'attaque des barbares. Je vous en conseille d'aller lire ces petites conférences qui sont sur le web, qui sont absolument passionnantes, légèrement provocantes, mais vraiment intéressantes. Et on peut dire, d'une certaine manière, l'arrivée de Free, c'est l'attaque des barbares. On voit la façon dont Free maîtrisait ces outils techniques. C'est particulièrement important parce que dans un monde numérique, finalement, la stratégie logicielle conditionne complètement et la capacité d'innovation et la structure, et la capacité à tenir ses coûts. Donc, si on a une excellente stratégie, je dirais, d'homéostasie digitale, disons, je comprends mes clients, je vais aller vers eux, je sais exactement ce que je veux faire, mais qu'on n'est pas, on n'a pas la maîtrise de la réalisation, plus le temps passe, plus on s'éloigne de son objectif et plus on se fait rattraper ou dépasser par des nouveaux concurrents. D'ailleurs, le risque étant beaucoup plus les nouveaux concurrents que les anciens. Et je reviens sur le livre d'Octo, que je vous recommande, qui est très bien. Octo est un cabinet de conseil qui est vraiment spécialisé dans l'architecture informatique, l'innovation, le digital. Et il a fait un petit livre consistant à aller voir ce qui se passait dans la Silicon Valley chez les grands, les Google, les Facebook, les Amazon et d'autres acteurs assez emblématiques de type Netflix par exemple. Voilà comment ils travaillent en termes de culture, en termes de méthodes de développement et en termes d'outils. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre est facile à lire et on voit bien qu'il y a un pattern, on voit bien qu'il y a une méthode, il y a un ensemble de façons de faire qui caractérise une nouvelle façon de faire l'informatique. Et ce n'est pas par hasard, c'est que l'informatique que moi j'ai appris à construire, qui est l'informatique de grands systèmes, correspondant à des fonctions complexes et relativement stables, est remplacée par une informatique dynamique où tout ce qu'on construit est changé en continu. En fait, on est passé de comment je produis une cathédrale à comment je produis une espèce de tapis roulant. Et quand on produit un tapis roulant avec un code qui se renouvelle sans arrêt, ça ne peut pas être les mêmes méthodes. Voilà. Donc on pourra y revenir après. Et dernier point du diagnostic sur nos problèmes, les grandes entreprises proposent des produits qui ne sont pas utilisés. Alors, c'est pas vrai, c'est un peu une généralisation, mais c'est quand même un problème qu'on a très très bien caractérisé dans le bouquin de Lean Enterprise. Alors, il y a plein de raisons. Il y en a certaines qu'on connaît bien. Les grandes entreprises sont en général soumis à une technostructure qui fait du push technologique. Donc on est avec cette idée que si on a une idée géniale et qu'on construit le truc, alors les clients vont venir et ça va marcher. Les produits sont souvent trop complexes. Donc on a ce problème de la sociologie des usages et de la facilité à utiliser les produits qu'on propose. Ou alors ils arrivent trop tard. Et ça nous ramène à la capacité de l'entreprise à absorber en permanence et en flux continu les nouvelles technologies, et je vais y revenir un peu plus tard, les organisations qu'on a, pour toutes les raisons qu'on a données avant, elles mettent trop de temps à digérer. Et donc, en fait, quand elles finissent par trouver le bon produit, en général, elles sont passées après l'opportunité. Et puis, le paradoxe, c'est qu'effectivement, la recette, on va y revenir, pour faire des produits qui marchent dans un monde qui bouge sans arrêt, c'est de co-construire avec les clients, donc ça, tout le monde le sait. Et les grandes entreprises, depuis longtemps, celles que je connais,
se sont spécialisés dans l'écoute client. Mais c'est une façon d'écouter le client qui n'est pas du tout de la co-construction, voilà, qui ne fonctionne pas. Donc, on a beau discuter en permanence, écouter, dépenser des millions d'euros en études marketing, on n'est pas du tout rentré dans ce que font les entreprises de la Silicon Valley, qui est effectivement cette construction itérative. Donc voilà, ça c'est mon résumé un peu caricatural, mais pas tant que ça, des difficultés que rencontrent les grandes entreprises françaises que je connais. Et alors maintenant, je vais vous proposer de trouver des causes profondes en m'appuyant sur cette idée qui est donc maintenant assez largement répandue, qu'on est rentré dans un monde avec une grande complexité et que donc il faut apprendre à vivre avec. Alors la première cause de complexité, c'est le rôle du client. Là aussi, j'aurais pu citer François Dupuis, c'est-à-dire que par rapport à il y a 30 ans, le pouvoir est passé entre les mains du client. Et là, donc, je vous ai mis le livre de Prahlad le sous-titre intéressant s'appelle « Co-construire une des expériences uniques avec ses clients ». Ce livre est intéressant parce qu'il date un peu déjà, c'est 2004, quelque chose comme ça. Et il montre bien qu'il y a eu l'époque du produit, puis l'époque du service, et l'époque de l'expérience. Le mot clé dans le marketing d'aujourd'hui, c'est de faire des expériences. Et la plupart des expériences, c'est le client qui est au centre, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a le pouvoir. Et les expériences qui fonctionnent bien sont celles où on a redonné du pouvoir au client. Donc le client va être capable de mélanger d'ailleurs des produits et services de différentes natures, différents fournisseurs, éventuellement ses contenus et services avec celui d'une autre entreprise. Donc c'est une autre façon, ça pose des questions difficiles. Et ce livre-là qui est paru en 2004 était assez prémonitoire, il montrait bien la difficulté pour les structures traditionnelles d'organisation et de management à faire ce pivot. Donc, c'est lié au fait qu'on est dans un monde d'abondance et que dans ce monde d'abondance de l'offre, le client est roi, effectivement, il peut. D'autre part, et ça c'est, je vais aller vite aujourd'hui, mais on pourrait quasiment faire un exposé là-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans un monde numérique dans lequel les clients vont quasiment plus vite que nous, ils changent leurs usages et l'homéostasie digitale, c'est-à-dire effectivement, l'entreprise doit évoluer aussi vite que ses clients, sinon elle va rapidement être obsolète. Et ses clients, ils sont informés. C'est probablement aussi une des ruptures du 21e siècle par rapport au 20e, c'est que tous ces outils sociaux autour du web font que le client, d'une part, ils savent autant que nous, entreprises, ce qu'ils veulent. Nous, c'est frappant quand on le voit dans les boutiques téléphoniques ou même quand les gens appellent. Le niveau de compétence des clients monte rapidement, ils se renseignent et on est arrivé au point où ils en savent en général autant que le vendeur moyen ou que l'interlocuteur moyen. Et en plus, ils sont organisés en communauté, donc non seulement ils savent, mais en plus, ils ont du pouvoir. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas contents, ils commencent à avoir une véritable capacité de réaction. Voilà, donc cette notion du client architecte de son expérience, ça a fait apparaître le mot qui est maintenant le mot à la mode partout, qui est le mot d'écosystème. Effectivement, l'écosystème se construit puisque les entreprises se mettent à devoir combiner différents éléments de l'expérience client et le client étant au centre. Donc ça crée effectivement de la complexité à gérer. Le deuxième sujet qui crée de la complexité, c'est qu'on est, ça vous le savez autant que moi, dans un monde d'accélération technologique, qui fait que quand on regarde les projets qu'on réalise, que on a des projets dont la nature technologique s'enrichit et on voit apparaître la complexité mesurée par le nombre d'interactions nécessaires. C'est effectivement, je dirais, dans un système de fermeture automatique des portes de métro dans les années 90, c'est-à-dire qui est profondément complexe et riche, on arrivait mieux à le décomposer en sous-éléments autonomes que un système de vidéo à la demande chez Orange ou Bouygues Télécom ou chez Netflix. Il y a plus de trucs qui doivent être agencés et donc ça fait que quand on doit mettre dans une salle de réunion les gens qui doivent travailler ensemble, il y en a plus et donc ça nous pose tous ces problèmes de coordination. Alors, ce qui nourrit ça, c'est les multiples lois exponentielles de type loi de Moore et j'y reviendrai. C'est pas parti pour s'arrêter, donc on a ce problème n'est pas un problème qui se termine, c'est un problème qui commence. Toutes ces lois, en plus, nourrissent l'explosion de NBIC, c'est-à-dire la combinaison nano-biotech, information et sciences cognitives. Donc on est, je dirais, c'est pareil. Je pense que ce sera mon dernier slide. Je pense qu'on est au début des problèmes. Les problèmes aujourd'hui, on les sent de manière assez forte. Je pense que dans 10 ans, on aura augmenté d'un ordre de grandeur. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Les expériences dont j'ai parlé dans le slide avant, elles reposent sur des systèmes qui ont de plus en plus d'interactions. Et alors,
pour innover dans un monde dans lequel il y a plus en plus d'interactions, le mode d'avant qui est « je suis une grande entreprise, j'ai un centre de R&D, je maîtrise tout et je fais tout même » ne fonctionne plus. Voilà, donc la complexité et cette notion d'écosystème amène à la stratégie de plateforme, qui est les deux buzzwords qui vont ensemble, écosystème et plateforme. Simplement, c'est très joli de parler de plateforme, et le bouquin là, « The Edge of Platform », c'est un très bon livre, mais en termes de réalisation, c'est tout un art. C'est-à-dire qu'une plateforme, et on a des exemples merveilleux dans les telcos, puisque les grands, les Orange, BT, Verizon, se sont dit « on va faire des plateformes, on va exposer des API, on va permettre à plein de développeurs de faire plein de valeurs autour de nos systèmes. » Et ils ont fait ça en mode ingénieur télécom. C'est quoi les specs, c'est quoi les fonctions, on fait un catalogue, on publie. Ils ne sont pas venus, quoi. They build it, they never came, nobody came. Et plusieurs fois, et c'est des projets de centaines de millions d'euros, des gros projets. Parce qu'effectivement, un écosystème, et on le voit avec ceux qui ont réussi, hein, Android, iOS, c'est comprendre les petits poissons qui vont venir picorer dans le grand truc, comprendre l'intérêt de chacun et faire un cycle vertueux où chacun apporte. Et ça se cultive, en fait. Là, je citerai après Kevin Kelly, qui est un de mes maîtres à penser, hein, qui dit que dans un monde complexe, les systèmes, ils sont grown, ils sont cultivés, ils sont des mondes émergents, ils ne sont pas design, ils ne sont pas conceptualisés. Et alors, la stratégie plateforme, ce n'est pas une stratégie qui se pense et qui se réalise, c'est une stratégie qui se pense aussi, mais après, qu'on fait émerger. On a un exemple positif, nous, on a appris à réussir ça quand Bouygues Telecom est allé chercher la licence iMode au Japon, dans les années 2000. On a aussi récupéré nos amis japonais les bonnes règles pour parler aux développeurs, faire les événements, les concours, faire tout ce qu'il fallait pour faire émerger une communauté de développeurs. Et iMode, 3 ans après son lancement, est un succès extraordinaire. Après, pour des tas de raisons, toujours d'écosystème, c'est devenu un échec. Mais la stratégie de plateforme a réussi parce que nos camarades japonais nous ont donné justement des conseils très pratiques de comment on cultive une communauté. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que un des symptômes les plus évidents du fait qu'on avait une difficulté, c'était des symptômes liés au canal de communication qui était saturé. Et l'idée qu'un des rôles de l'organisation de l'entreprise, c'est de gérer les flux de communication, n'est pas du tout récente, puisque ce livre il doit dater des années 70, March and Simon. Mais le fait que ce soit connu depuis longtemps n'empêche pas que ce problème est de plus en plus prégnant, de plus en plus évident. C'est-à-dire qu'on a effectivement des flux d'informations qui sont de plus en plus riches, et donc, pour les faire circuler, on a besoin d'outils. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on trouve des outils beaucoup plus puissants, mais pour l'instant, on ne les a pas trouvés. Soit il faut diminuer ces flux, et pour ça, ça amène à avoir des gens plus polyvalents et plus généralistes. Donc, on voit bien que l'augmentation de la complexité nous fait revenir en arrière dans le management scientifique et la spécialisation, parce que le coût d'orchestration augmente, plus c'est complexe, plus on a le coût de transfert d'informations entre les différentes parties qui sont spécialisées augmente, et à un moment on se dit c'est plus la peine, il vaut mieux que ce soit la même personne qui fasse les deux morceaux plutôt que d'avoir les deux spécialistes, parce que le coût du truc entre les deux a dépassé le gain qui est toujours réel et qui n'a pas changé, qui est le gain du taylorisme. C'est aussi la fin du bureau des méthodes, notre culture il y a 30 ans, avec des gens qui ont le temps de poser le problème, de le résoudre, et après d'autres qui font en appliquant les méthodes. Et ça, dans un monde complexe, ça ne fonctionne pas. La séparation entre le penser et faire ne fonctionne pas. Et ça, c'est effectivement... Alors, cette révolution copernicienne n'a pas encore eu lieu dans la plupart des grandes entreprises. Ça, c'est très clair. On va en reparler après. L'accélération du temps, c'est aussi un poncif, mais un bon poncif, un poncif réel. C'est-à-dire, on est effectivement, quand on est dans les cycles produits, quand on regarde un petit peu le temps de l'entreprise, les choses s'accélèrent, et avec l'incertitude. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise aujourd'hui qui essaye de faire son plan à 5 ans, le futur est de plus en plus flou, incertain, et donc on est amené à devoir découvrir un nouveau monde sans repère. Et là, je vous ai cité le premier bouquin de Nassim Taleb que j'aime beaucoup, parce qu'il pointe effectivement sur la difficulté qu'on a à accepter qu'on est dans un monde incertain et le fait qu'on cherche à re-rationaliser, à se raconter des histoires, ce qu'il appelle le narrative fallacy. Donc, si on reprend un peu de recul, donc on est effectivement dans un monde de raccourcissement des cycles pour des tas de raisons, à cause de la mondialisation, à cause de la numérisation et
des progrès constants d'automatisation qui permettent effectivement de fabriquer un téléphone de plus en plus vite, une voiture de plus en plus vite, un logiciel de plus en plus vite. Quand on voit Facebook qui fait une mise en prod, plusieurs mises en production par jour, effectivement, il y a 20 ans, ça m'aurait semblé complètement impossible. Voilà, sur des systèmes qui font des millions de lignes de code. Donc on a progressé, on est capable d'aller extrêmement vite. Le fait qu'on soit dans ces boucles très rapides augmente l'incertitude. C'est vraiment une loi de ce système complexe. Il y a des boucles partout. Et donc, dès qu'il y a des boucles partout, on ne sait pas ce qui va se passer. Et le plus spectaculaire, c'est dans l'innovation digitale. C'est-à-dire que puisqu'on est sur des cycles, on a beaucoup de boucles de rétroaction. Finalement, quand on vous amène deux projets de start-up qui ont la même idée de faire, on va dire, un Snapchat, il y en a un qui fera une valuation de centaines de millions quelques mois plus tard et l'autre qui fera rien du tout. Et c'est quasiment impossible de le savoir en regardant la spécification du produit, parce que ce qui va créer la valeur, c'est cette amplification virale de l'usage qui va créer une base client, et c'est impossible à modéliser. Enfin, c'est facile à modéliser, mais avec des modèles faux. Des modèles, c'est-à-dire qu'après, quand on les simule, on est dans l'effet papillon. Quoi. Il suffit de changer trois bricoles, et tout d'un coup... Et c'est frappant, en prenant un peu de recul sur l'innovation dans les services télécoms, les idées sont partout, tout le monde fait à peu près la même chose, et c'est les conditions... La différence entre un service qui fonctionne et un service qui ne fonctionne pas, c'est difficile à apprécier. Donc, on est forcément dans un monde incertain. Je vais passer ça. Alors, une autre conséquence de la complexité, c'est que finalement, quand on se regarde avec un peu d'honnêteté, dans la plupart des situations, on manque de compétences. Profondément, c'est-à-dire que dans une réunion, on est en train de prendre une décision, on se dit finalement... on est en train de décider sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Alors soit on accepte ça et ça permet d'ouvrir sur la troisième partie, soit on est dans l'illusion du contrôle. Et l'illusion du contrôle, ça consiste à dire, on peut faire comme avant, on peut, en mettant des gens intelligents dans une salle, se dire qu'on sait ce que les clients veulent, qu'on sait ce qu'ils vont choisir, on sait ce qu'ils vont acheter, on fait des business cases et on continue à manager son entreprise, comme avant. Alors que ce qui est absolument clair pour moi, c'est que dans la plupart des projets techniques sur lesquels j'ai travaillé, les managers et les chefs de projet, en fait, n'ont plus la compétence pour savoir ce qui est produit. Et je dis, c'est normal, c'est pas un jugement négatif, c'est qu'en fait, la compétence nécessaire bouge très très vite. Et je vous citais une anecdote. Donc moi, avant de faire du management, j'ai fait beaucoup beaucoup de programmation, j'ai écrit des tas de systèmes dans des tas de pays, donc je suis considéré un vrai expert programmation. J'ai donné des cours à l'X en système d'information, j'ai écrit des bouquins. Et l'été dernier, j'ai acheté un bouquin « How to code » dans une supérette dans le nord de l'Islande. 100 pages, je trouvais ça. Sur les 100 pages, il y en a 50 que je connais. Voilà. Mon score maintenant, c'est 50 sur 100. Et je raconte ça à mes collègues DSI pour dire, voilà, il est temps de se poser des questions. C'est qu'effectivement, ça change vraiment vite. Quoi. Ça change vraiment vite. Et je fais plutôt partie des gens... Moi, je continue à coder, donc je suis un vieux papy qui code. Mais néanmoins, en tant que vieux papy qui code, je suis complètement en retard. Je suis un dinosaure de la programmation. Et alors, le seul avantage que j'ai, c'est que je le sais. Et que la plupart de mes collègues pensent qu'ils ne savent pas. Voilà, ils n'ont pas réalisé. Et c'est vrai dans la programmation, c'est vrai dans plein d'autres domaines. C'est vrai en vidéo, c'est vrai dans les techniques mobiles. Ça bouge très, très vite. Donc, on a... c'est très très bien expliqué dans le bouquin que je vous ai mis, la Scaling Up, sur ce problème d'illusion de la compétence et le fait que il est de plus en plus difficile de construire les compétences, de les garder et de les identifier. Voilà. Donc j'ai mis une partie de la difficulté, c'est de construire les compétences en continu, puisque visiblement ça change très vite, c'est la conséquence de l'accélération. L'autre partie, finalement, c'est de les reconnaître, parce que le paradoxe, c'est que dans toutes les entreprises qui vont suffisamment bien, il y a du turnover. Donc, des gens qui savent, il y en a. Le paradoxe, c'est que si je fais un post-mortem de 10 ans de mauvaises décisions prises, en général, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas les bonnes personnes dans la salle. Il y a à peu près quelque part dans l'entreprise des gens qui, si on leur avait demandé leur avis, auraient pu éclairer le débat. Donc, il faut savoir former, mais surtout, il faut savoir qu'on ne sait pas. Et c'est le fameux lâcher prise, qui est le slogan du numérique, et qui est un slogan qu'on utilise pour... c'est de faire la conduite du changement dans les entreprises en disant « c'est bien gentil de vouloir avoir une stratégie digitale, mais si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise et à admettre que vous allez la co-construire avec vos clients et que vous allez la découvrir, ça va être très difficile. » Et c'est bien un changement du centre de gravité de l'entreprise vers le client. C'est-à-dire la stratégie de demain, on va la faire émerger, on va la découvrir. Et le dernier point
qui est lié à la complexité, c'est celui de la démotivation. Donc la démotivation, je n'ai pas le temps de vous faire un grand pitch, mais c'est vraiment spectaculaire. Ça, les statistiques qui montrent la démotivation montrent vraiment une baisse qui a démarré dans les années 80, mais qui est continue, constante, et qui a atteint des niveaux assez inquiétants. Et face à ça, je trouve qu'on a un bouquin extraordinaire. Il y a plein de gens. Daniel Pink, il a fait la synthèse de plein d'autres personnes qui travaillent sur le sujet. Mais dans son bouquin Drive, qui explique un petit peu les fondamentaux de la motivation et donc pour comprendre la démotivation, il a un sous-titre qui dit « Il y a une différence extraordinaire entre ce que la science sait et ce que les entreprises pratiquent ». Et alors, je vais essayer de vous raconter ça très brièvement, mais Daniel Pink raconte un certain nombre d'expériences faites sur des étudiants, d'abord aux États-Unis, puis après dans plein de pays, où on essaie de voir l'impact des systèmes de motivation sur la performance. Donc on donne des bonus, des récompenses, des choses comme ça, et on fait faire des tâches élémentaires, puis de plus en plus complexes. Et pour faire très simple, la méthode carotte-bâton, bonus, etc. fonctionne très bien sur des tâches répétitives, des tâches simples, effectivement. Mais dès qu'on en rentre dans des tâches créatives, des tâches complexes, ça devient démotivant, ça crée du stress. Et c'est un fait scientifique spectaculaire, démontré en Inde comme aux États-Unis et revérifié maintenant de manière indépendante par plein de gens. Donc finalement, le résultat, et c'est une signature de la complexité, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est dans un monde simple, même s'il est compliqué, la motivation extrinsèque qui arrive par le management, ça fonctionne, mais dès qu'on est dans un monde complexe, la motivation, elle est intrinsèque, elle doit venir de l'individu lui-même. Et le pitch de Daniel Pink, c'est qu'il y a trois dimensions qui sont mastery, c'est-à-dire le fait d'avoir le plaisir d'être de plus en plus compétent dans ce qu'on fait, c'est le plaisir qu'on a quand on apprend à faire un instrument de musique, c'est que force de faire ses gammes, on a tout un coup le purpose, qui est je sais pourquoi je fais quelque chose, le sens, et l'autonomie, voilà, l'autonomie qui est absolument, absolument fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est que je pourrais tout de suite, pour en spoiler de ce qui va venir, dire ce qui caractérise absolument tous les livres modernes, toutes les théories modernes du management, c'est-à-dire il faut absolument s'appuyer là-dessus, il faut remettre ces trois mots-clés au centre de l'organisation de l'entreprise. Et Yves Morieux, que je vous citais tout à l'heure, a fait un talk brillant, et vous pouvez le trouver sur Google, sur TED, assez facilement, où il montre le lien entre la démotivation et la complexité. Et pour faire simple, c'est aussi la thèse de François Dupuis, c'est un individu qui est placé dans un process trop complexe, où il est trop loin du client, il est trop loin de sa finalité, et il y a trop d'étapes, il y a un moment où il ne sait plus à quoi sert son travail, et évidemment, il perd sa motivation. Alors maintenant qu'on a vu ces causes, je vais essayer de faire une synthèse de 6 ou 7 propositions d'une nouvelle forme d'entreprise. Et la plupart des gens qui font ces propositions ne les font pas ex nihilo, mais plutôt en s'appuyant sur les entreprises classiques que tout le monde cite, qui vont de Gore, de Favi, de Lippi. Donc après, je pourrais vous donner une bibliographie. Vous verrez que si vous lisez tous les 6 bouquins, il y a quand même... On les réutilise, les entreprises exemplaires de ce mode de fonctionnement. Moi, je vais plutôt la prendre un peu de recul et je ne vais pas être dans l'anecdote, je vais plutôt essayer de voir quels sont les principes de cette nouvelle structure et expliquer sous un angle systémique, puisque finalement, je vous ai donné une cause profonde unique qui est la complexité. C'est assez tentant d'essayer maintenant de trouver un remède unique qui est l'analyse de l'entreprise en tant que système complexe. Alors, la première idée des systèmes complexes, système complexe, c'est donc un ensemble de trucs en interaction qui ont une finalité, définie par la finalité. C'est de se dire, pour que ce système fonctionne bien et soit résistant, il faut que la finalité, elle soit partagée partout. C'est le principe de l'holomorphisme. On n'a pas un endroit où on a la finalité, on a effectivement l'ensemble des sous-systèmes en interaction qui portent chacun la finalité du tout. Et ce qui est passionnant, c'est que dans le monde des systèmes d'information, pour chercher à faire des systèmes résilients, depuis 10 ans, on redécouvre ce principe. C'est-à-dire que j'avais cité dans une dernière conférence SlapOS, qui est un OS de cloud distribué, où en fait, toute la gestion se fait, plutôt que pour tenir les SLA, le Service Level Agreement, les règles de contrôle de performance de qualité, au lieu d'avoir un système intelligent qui distribue du contrôle, on reproduit les objectifs partout, et on a vraiment une espèce de multiplication un peu redondante des objectifs, et c'est localement après que le sous-système prend sa décision par rapport
à l'objectif de l'ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans l'entreprise nouvelle, de demain, 3.0, comme vous voulez, c'est de dire, on va créer un système qui est, on va y revenir après, dynamique, fluide, avec une certaine dose d'autonomie. La première chose à faire, c'est de s'assurer que la finalité, l'objectif de l'entreprise, est distribué sur l'ensemble des composants. Donc, je cite ici Zagetz qui dit, ben voilà, on va construire une entreprise très agile en nombre d'autonomie, mais l'autonomie sans vision commune, c'est le chaos. Et ça ne va pas fonctionner. Donc, plus on veut avoir une entreprise où on délègue dans l'autonomie, plus il est essentiel qu'il y ait une finalité partagée. Un thème commun, c'est de se centrer sur le client, parce que l'avantage d'avoir une finalité partagée autour du client, c'est qu'il y a une valeur sociale. Les employés comprennent pourquoi ils font les choses, donc c'est un bon motivateur. Et dans le monde, j'irais du lean, parce que je raconterai après un peu mes étapes, mais dans le monde du lean management, c'est effectivement cette idée du true north, de la stratégie qu'on a pu décliner pour chacun et que chacun s'est approprié. Donc il y a une stratégie unique, elle est appliquée localement, mais c'est la même et chacun l'applique en fonction de son contexte et ses moyens d'action. Le deuxième principe systémique, c'est de se dire dans ce monde qui bouge sans arrêt, finalement innover, c'est construire de la valeur pour le client avec lui. C'est-à-dire c'est co-développer avec le client une solution à ses problèmes. Et ces problèmes étant connus ou révélés. C'est-à-dire qu'il y a des innover, ce n'est pas uniquement résoudre des problèmes que le client vient de dire, moi, monsieur, j'ai un problème. C'est aussi, on lui donne un iPad, il ne savait pas qu'il en avait besoin, mais tout d'un coup, si on lui enlève, on dit, bah, si, en fait, je ne pouvais pas vivre sans, j'avais un problème. Je vivais sans iPad et j'étais malheureux, mais juste, je ne le savais pas. Mais ce qui est important, donc, c'est très, très bien théorisé par Eric Ries dans le Lean Startup, c'est de se dire, il n'y a que le client qui va nous aider à faire le fine-tuning de l'effet papillon pour que mon innovation, mon idée de départ, apporte réellement de la valeur. C'est-à-dire que, bien sûr, innover, il faut qu'il y ait la pensée créatrice au départ, il y a un jaillissement, mais la vraie création de valeur se fait dans cette discussion avec le client, et comme le dit très bien Steve Jobs, on ne peut pas demander au client ce qu'il pense avec un micro, ce que nous, on a essayé de faire dans les telcos pendant des années. Il faut amener le client en situation, dire, voilà, est-ce que ça... Utilisez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Et le Lean Startup, c'est une façon de formaliser de manière très élégante c'est une notion qui s'appelle le MVP, le Minimum Viable Product, qui est j'ai une idée, je la transforme en quelque chose que le client peut tester, et là, le dialogue va commencer, et en itérant, on va apprendre à partir de l'usage. Donc c'est un compromis entre une posture passive et une posture angélique, où on dirait le client sait tout, il n'y a qu'à l'écouter. Alors, je veux dire, à bout de télécom, on est tombé dans ce travers-là. On a dépensé trop d'argent à se dire les clients vont nous dire ce qu'ils veulent. Et ça ne fonctionne pas. Le client, il a autre chose à faire. Et si on veut qu'il nous dise, par exemple, ce dont il a besoin pour prendre le métro, il faut l'attraper au moment où il est en train de prendre le métro et lui dire là, souvent, ce n'est pas ton problème. Si le soir, dans rentrer chez lui, dans son salon, on lui envoie des sociologues, ce qu'on a fait, on lui dire quel est votre problème, ça ne vient pas naturellement. Alors, la deuxième conséquence de la complexité, et donc le deuxième très commun aux entreprises libérées, c'est de valoriser l'action, puisque on se dit finalement, le point de départ, l'idée, c'est important de l'avoir, il ne faut pas non plus la dévaloriser, mais réellement là où la différence se fait, c'est dans cette itération. Et alors ça, moi, mon expérience de 10 ans de service en téléphonie, c'est que, d'une part, toutes les idées qu'on a eues, nos concurrents les avaient aussi, donc là, vraiment, on avait tous les mêmes idées. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que toutes les bonnes idées des startups qui ont fait fortune, on les avait aussi. Et on n'a pas fait fortune et on ne les a pas sorties. Voilà. Donc finalement, la vraie différence entre un labo de R&D telco et une startup, ce n'est pas le point de départ. C'est vraiment, il s'est passé quelque chose de magique entre les deux, qui fait que dans un cas, au bout de 3 ans, on est toujours à faire des PowerPoint et des comités de gouvernance pour savoir comment on va le faire, dans quel roadmap et avec quel rythme. Et dans l'autre cas, ça fait longtemps qu'on l'a fait, on l'a corrigé, on l'a fait, on l'a corrigé, et on fait de la valeur. Et ce qui capture parfaitement ça, et alors là je suis en plein dans mon exercice chez AXA, c'est de dire, puisque ce qui crée la valeur, c'est ce qu'on apprend de l'usage, pour ça il faut faire de l'usage, et que l'usage c'est non linéaire, parce que c'est le bouche à oreille, etc., que donc c'est une espèce de boîte noire qu'on ne maîtrise pas, on oublie le business case, on oublie le ROI. Tout schéma, tout PowerPoint présentant un ROI du lancement d'application mobile est une supercherie.
En revanche, on passe à ce qu'on appelle le affordable loss. On dit, ben voilà, donnez-moi un budget. Et ça, le seul truc que je peux faire, c'est que dire, quand j'ai dépassé le budget, je coupe et on arrête. Et donc, on peut contrôler ce qu'on, dépense. Et le principe, un des principes clés d'une startup, c'est de dire, en fait, une startup, c'est une usine à business model. Le business model, on le produit à la sortie quand on a démontré l'attraction. C'est-à-dire que c'est une fois que je constate l'usage que je sais comment faire de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois qu'on a des gens qui se servent réellement d'un produit, il y a plein de façons de faire de la valeur. Il n'y a quasiment pas d'exemple d'entreprise qui est, il y en a quelques-uns, mais c'est rarissime, qui ait fait un truc génial que tout le monde utilise et qui n'arrive absolument pas à le valoriser. Dans la plupart des cas, quand on a passé la barrière d'attraction, entre le freemium, la pub, le machin, les produits dérivés, enfin, on trouve. En revanche, l'alchimie pour fabriquer cet usage et cette amplification de l'usage, il n'y a pas d'autre façon que de faire, c'est très difficile, on ne peut pas le faire en chambre à l'avance. Alors, une fois qu'on a posé ça, la structure qui domine, et ça c'est pas très récent parce que les entreprises en réseau, c'est déjà dans les années 90, c'est un modèle d'entreprise en réseau où l'unité, c'est une équipe cross-fonctionnelle et autonome. Donc autonome, c'est du Daniel Pink, c'est finalement dans l'entreprise de demain, pour que les gens soient motivés, il faut vraiment leur donner le contrôle. Et puis, c'est aussi c'est une réponse analytique et c'est une réponse à la systémique en disant, dans un environnement qui bouge sans arrêt, si j'étais un peu pédant, je mettrais la loi de la variété requise et HB, là, en disant, ben voilà, il va falloir que ça puisse bouger avec plein de degrés de liberté. Et donc, s'il n'y a qu'un chef, il n'a pas assez de degrés de liberté. Si j'ai plein de structures, si c'est l'autonome, j'ai remis les degrés de liberté dont j'ai besoin. Donc, j'ai fait quelques efforts pour être un peu élégant. Donc, j'ai dit, voilà, l'homéostasie repose sur un réseau d'équipes. La capacité de s'adapter. Et ce n'est pas par hasard, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le merveilleux papier de Mark Granometer qui s'appelle « Puissance des liens faibles ». Et donc, ça, c'est un peu... Dans le monde de la sociologie, on distingue les liens faibles et les liens forts. Les liens faibles, c'est les gens que vous voyez rarement, une fois de temps en temps. Et les liens forts, c'est les gens que vous voyez tout le temps. Et la sociologie dit, les liens forts, ces gens se ressemblent. En général, ils sont trop proches. Et donc, on a besoin dans l'entreprise de créer des liens faibles. Mais... face à des défis serrés, on a aussi besoin de cette puissance que crée l'équipe, la proximité continue. Donc la puissance des liens forts, c'est simplement, exprimé de manière un peu pédante, le fait qu'on a besoin de partager un contexte sans avoir à se le répéter en permanence. C'est-à-dire que quand je prends mon équipe... Alors ça, mine de rien, c'est pas intuitif, puisqu'en ce moment, il y a tout plein de théoriciens de l'entreprise de demain qui rêvent d'une entreprise atomisée avec des compétences moitié humaines, moitié automatiques et une espèce de place de marché d'idées et de problèmes auxquelles je ne crois pas une seconde. Je pense que le point commun à tous ces gens qui voient l'entreprise 3.0 comme une réaction à la complexité, c'est de remettre de l'humain et de remettre du contact et de se dire si ce qu'on fait est très difficile, il faut qu'on le vive ensemble parce que si tous les matins on doit se raconter où on en est, on n'y arrivera pas. Là. Donc, après, une fois que j'ai ces équipes, je les mets en réseau parce qu'effectivement, la structure de réseau est la seule qui soit scalable, la seule qu'on puisse faire à la fois sur 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, avec un certain nombre de limites. Mais ça, on pourra en reparler dans les questions-réponses. Donc, cette structure, elle est flexible et elle peut s'adapter à l'environnement un petit peu incertain. Et là, j'ai un théorème avec des guillemets, mais si ça vous amuse, je vous pointerai sur le lien du blog qui raconte ça, qui dit finalement, le temps étant constant, pour un manager qui prend des décisions, si on regarde le produit du scope, c'est-à-dire du périmètre qu'il regarde, de la fréquence à laquelle il regarde ses problèmes, et du degré de compression qu'il applique, le produit est constant. À la fin, ça fait la quantité de bits qu'il traite dans la journée, et ça, c'est constant. Dans le passé, pour avoir un grand scope, on avait deux méthodes, soit on délègue, on fait juste un point, alors... hebdomadaire, puis mensuel, où on réduit la fréquence, ou on compresse, on fait le fameux management par 21-29 par A4, et on se contente de piloter à partir de résumé du problème. Et ce que dit la théorie de la complexité, c'est que malheureusement, un problème complexe, eh ben on peut pas toucher, on peut pas le traiter, on est obligé de le prendre avec la fréquence qu'il a, et on ne peut pas le traiter avec une fréquence plus faible, et on ne peut pas non plus... le comprimer. Donc, c'est le scope qui doit diminuer, donc il faut déléguer. Voilà, et ça, une fois qu'on a compris ça, forcément, on a des entreprises autonomes, on a des équipes autonomes. C'est-à-dire que l'autonomie des sous-structures, elle est absolument nécessaire, sinon, on est sur un mode de management qui ne peut pas affronter le choc de la complexité.
Alors, on a dit tout à l'heure qu'il était impossible de prévoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la prévision par l'ajustement permanent. Et c'est la notion d'agilité, pas au sens informatique du terme, mais au sens vraiment métier du terme. Chez Bouygues Télécom, c'est assez amusant parce que moi, je venais du monde agile dans ma vie d'avant. En tant que DSI, j'avais essayé de promouvoir le développement agile, mais je n'étais pas vraiment arrivé. Donc, on faisait un peu d'agile, mais pas beaucoup. Et puis, un jour, le comité de direction est allé voir Spotify en Suède. Et le patron de Spotify nous a expliqué l'agilité de manière lumineuse en 5 minutes en disant ben voilà, de toute façon, toutes mes hypothèses métiers, tout mon marché, la technologie, changent sans arrêt. Donc, je suis incapable de voir le futur à 18 mois. Donc, je projette un futur à 18 mois, je fais un pas, et après, on se réunit au bout d'un mois, et on continue. Voilà. Donc, en fait, c'est une stratégie où je, pour aller vers une. Je réajuste ma cible en permanente. Et j'avance par petits lots. Voilà. Oups, pardon, je me suis trompé. Voilà. Donc, c'est l'exemple de Spotify. Et évidemment, ça donne une agilité stratégique, puisque à chaque fois qu'on fait on a fini un lot et qu'on constate où on en est, on constate aussi où est le marché. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on a fait ça. Est-ce qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire? Est-ce que, finalement, le client ou le marché réagit comme on pensait à ce premier pas? Et l'expérience des entreprises qui pratiquent ça, c'est qu'évidemment, ça leur donne une vraie réactivité. Et en visitant, alors juste avant d'avoir visité Spotify, moi j'avais visité l'Université de Tokyo, qui fait un merveilleux bras robotisé, qui est capable de faire deux choses, il est capable de jouer au baseball en tapant dans la balle avec des bien meilleures performances que les meilleurs professionnels américains, mais surtout il est capable aussi de rattraper un œuf lancé en plein vol, comme ça, il attrape l'œuf. Donc c'est assez spectaculaire à voir. Et ce qui est... Donc on se dit, comment se fait-il? Par quel miracle? Quelle est l'intelligence du logiciel qui attrape l'œuf? Et alors, le logiciel est complètement stupide, mais le robot voit 50 000 images secondes. Et quand on voit 50 000 images secondes, l'œuf, il arrive tout doucement. Donc c'est un algorithme de contrôle-commande tout à fait standard, qu'on aurait pu écrire dans les années 90, à l'époque où je faisais l'IA. Et par contre, c'est une technologie de perception qui est ahurissante, parce que voir 50 000 images secondes, c'est un autre monde, évidemment. Et c'est une bonne métaphore. C'est-à-dire que on voit, c'est une métaphore profonde parce que les robots intelligents qui vont arriver, parce qu'ils vont arriver, ils seront surtout plus intelligents que nous par leur meilleure capacité de perception, plus que par l'IA qui aura dedans. C'est-à-dire que on est nous obsédés par l'intelligence et on sous-estime la perception. Et une entreprise agile, c'est une entreprise qui se dit je vais muscler ma capacité de perception, je vais être capable de percevoir. Alors ça a été théorisé par Langdon Morris qui appelait ça, on passe du contrôle-commande au recognition and response. Qui est, je muscle, et pour ça, j'utilise mes réseaux, j'utilise ce réseau d'équipes autonomes, je muscle ma capacité à percevoir et ma capacité à réagir. Alors, ce n'est pas binaire. Évidemment, dans une rhétorique d'exposé, on a tendance à dire qu'il faut passer de l'un à l'autre. Dans la pratique, de la même façon que je pense que le plan stratégique n'est pas mort, et je pense qu'on a besoin d'intelligence, même pour les robots. Mais cette idée qu'on est un peu obnubilé par l'intelligence et pas assez par la perception de l'environnement, c'est une idée profonde. Et c'est exactement le principe de la stratégie agile. Et le dernier principe systémique commun donc, à tous ces apôtres d'une nouvelle forme d'entreprise, c'est que face à la complexité, il faut être simple et il faut être ouvert. Alors, c'est amusant parce que c'est en fait assez profond. On peut aller assez loin en tirant ce fil. Là, j'ai mis une référence donc, au livre de Kevin Kelly qui s'appelle Out of Control et qui est vraiment alors, écrit en 94, donc il date, hein, mais c'est un livre profond qui montre, d'une part, tout un exemple de système complexe où nous nous sommes trompés en ayant l'illusion du contrôle, et les plus extraordinaires, c'est l'exemple d'écosystèmes d'espèces protégées où on a voulu sauvegarder une espèce en contrôlant une autre, et la nature se venge, il y a des tas de boucs qu'on n'a pas vus, et c'est un jeu du chat et de la souris, mais alors c'est nous la souris, c'est la nature le chat. Donc c'est intéressant, parce que ça s'applique en fait à toutes sortes de systèmes complexes. La leçon principale de Out of Control, c'est d'abord l'humilité, c'est-à-dire quand vous êtes dans un système complexe, abandonnez l'illusion du contrôle. Et alors, une fois que tout ça c'est un peu philosophique, donc la deuxième étape, c'est ce que dit Google, c'est à ce moment-là, puisque je ne vais pas contrôler, je vais faire moins de choses, mais je vais le faire vraiment très bien. Ça va être ma différenciation. Et ça, c'est un principe commun à cette entreprise libérée. C'est de se dire, ma différenciation va venir du fait que dans cet écosystème complexe, il y a un morceau que je maîtrise bien, mais bien entendu, je n'aurais pas dû tourner tout de suite,
ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Donc c'est bien une stratégie d'innovation ouverte ou de création de valeur ouverte où je travaille avec d'autres. La simplicité comme stratégie de résilience, alors c'est un sujet un peu théorique, c'est un des beaux exemples pratiques, c'est des exemples de Toyota. Donc le principe du lean management, pour faire très très simple, c'est Taishi Ono qui rentre dans une usine dans les années 50 et qui dit, vous avez construit l'usine pour optimiser l'utilisation marginale des machines les plus chères. Donc vous avez pensé machine. Et en passant, moi j'ai fait des cours de recherche opérationnelle dans les années 80 à l'université, et on m'a dit pour optimiser une usine, on regarde le taux d'utilisation marginale des machines les plus chères. Bon. Et Taishi Ono a eu l'intuition géniale que ça, dès qu'on a des aléas en entrée, ça se dégrade très rapidement et que cet équilibre optimum, l'optimum mathématique du problème statique, et en fait, dès qu'on passe à un problème réel, stochastique, qui devient totalement sous-optimal et qu'au contraire, pour faire un système robuste aux variations, alors l'objectif du Lean, c'est de s'adapter aux variations du client, mais ça pourrait être des variations climatiques ou de sortes de variations, il faut faire des chaînes courtes. C'est de la théorie des files d'attente, ça pourrait se démontrer d'un point de vue un peu mathématique. Et alors, cette idée que ces chaînes simplifiées, mises en flux tendu, sont plus robustes, j'ai deux illustrations qui sont intéressantes. La première, c'est des crises chez Toyota. Il y a eu des grands incendies dans les usines. Ils ont une capacité à se réorganiser. Donc ça, vous pourrez le trouver dans les bons livres sur la vie de Toyota, qui montrent effectivement que cette façon de s'organiser, non seulement elle est robuste aux aléas, mais elle est robuste aux crises. Et l'autre exemple que je vais vous citer, c'est que je me suis amusé à faire une simulation du système d'information de Bouygues Télécom à l'époque où on voulait justement savoir si on pouvait tenir nos fameux SLA, nos fameux contrats de qualité de service. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des ressources optimisées à 80%, c'est-à-dire que j'ai un parc informatique où tous mes serveurs sont à 80% et j'ai juste des SLA pour qui sont statistiquement, qu'on sait tenir statistiquement sur l'année, par opposition, j'augmente la puissance de mes machines, j'ai un taux d'utilisation à 60%, à ce moment-là, je peux avoir des SLA qui sont très tendus. Alors, on pourrait penser naïvement, en tout cas, moi, j'aurais pensé naïvement, que si je commence à avoir... j'ai des contraintes donc sur les exécutions de processus qui sont très sévères, j'ai augmenté mes ressources, mais ça va être fragile. Et en fait, très curieusement, donc il faut faire l'expérience pour le croire, un système très tendu, une fois qu'on a mis les ressources, il est beaucoup plus résistant que le système super asynchrone avec des buffers partout, qui devient très complexe et en fait dont le comportement nous échappe. Une autre illustration de ça, si vous avez envie de regarder, c'est regarder le jeu de la bière, un jeu fait au MIT pour les étudiants. On s'amuse à rendre fou des étudiants MBA en leur faisant remplir une supply chain. Et on a artificiellement créé ça. On a artificiellement créé un système super mou avec des buffers partout. Et en fait, c'est ingérable. C'est-à-dire que si on n'a pas la vue d'ensemble et qu'on est un des maillons du système, on n'y comprend rien. Donc c'est une façon d'apprendre l'humilité aux étudiants de MBA. Donc la plateforme, c'est l'élément de cette stratégie d'innovation ouverte. Hein. J'ai réintroduit la plateforme que j'avais introduite tout à l'heure en disant... Dans cette entreprise 3.0, si je fais peu de choses et que je les fais très bien, ben fortement, comme je ne fais pas tout, je travaille avec d'autres. Et donc, je dois avoir une stratégie d'ouverture. Et pour une stratégie d'ouverture, je dois avoir cette simplicité. Donc, ça fait une espèce de tout un peu cohérent. Et la dernière remarque, dernier principe, c'est que... on monte à un niveau d'abstraction. On dit finalement, ce réseau d'équipes autonomes... Si on veut qu'il soit en homéostasie avec l'environnement qui bouge sans arrêt, il doit être en apprentissage permanent. Et finalement, un système management, une des fonctions premières, et si je suis Michael Ballet, ça devient la fonction première, c'est de permettre l'apprentissage. Michael Ballet est un spécialiste du Lean, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il il explique le Lean vraiment avec une vision entièrement orientée sur l'apprentissage. L'apprentissage continue les compétences. En disant, par exemple, quand on fait du problem solving, en équipe. Donc un des principes de Toyota, c'est de faire de l'amélioration continue, du Kaizen. On prend un problème et on met toute l'équipe pour résoudre le problème. Et une vision un peu simpliste utilitariste dirait, mais c'est bien, on a résolu le problème. Mais quand on fait ça pendant 5 ans, on se rend compte que le vrai bénéfice, il n'est pas le problème qu'on a résolu, c'est qu'on a monté le niveau de compétence des personnes, donc ça c'est mon premier bénéfice, et on a moins de problèmes. Alors ça, je l'ai vécu dans mon application chez Bouygues Télécom de ces méthodes-là. Mais même encore plus loin, en fait, résoudre un problème ensemble, c'est une façon d'apprendre à collaborer. Et collaborer, c'est pas si simple pour des gens qui sont dans des fonctions bien différentes, avec des cultures bien différentes. Et avoir un objectif commun, un problème à résoudre, le fait d'apprendre à s'écouter, de comprendre le point de vue de l'autre, ça crée une valeur profonde. Et c'est un des thèmes communs à cette entreprise 3.0. C'est un des autres facteurs communs, c'était une notion de
d'apprentissage de la collaboration. Et ça fait une très très jolie introduction sur ma quatrième partie, puisqu'on peut dire finalement, collaborer c'est difficile, donc il faut l'apprendre par la pratique, et la pratique du Kaizen est une façon d'apprendre à collaborer. Et alors ça, c'est vraiment pour être prétentieux, mais je ne vais pas résister au plaisir, c'est de dire, je ne sais pas qui a lu Antifragile ou qui connaît Nassim Taleb et Antifragile, la notion d'antifragile, c'est un système est antifragile si les chocs, les événements, le rendent de plus en plus solide. Le fragile, les chocs vous cassent, antifragile, en fait, c'est un système biologique, c'est les petits stress font que par réaction, le système se durcit, devient plus résistant. Et d'une certaine manière, l'objectif de ce nouveau mode d'organisation, c'est bien de construire une entreprise antifragile qui, en permanence, les chocs et les aléas lui permettent d'apprendre et de construire de la valeur et des capacités. Alors, cette troisième partie, vous l'avez vu, elle était très systémique, elle était très conceptuelle. Donc là, on va changer de registre. Je vais vous montrer, finalement, les entreprises qui se réclament de ce mode entreprise libérée, comment on vit dedans. Voilà. Alors, j'ai changé de style de slide, on va faire des slides modernes avec des photos et des slogans. Pour dire, on oublie la théorie, là on passe vraiment dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est la pratique des stand-up meetings et du management visuel, c'est-à-dire, on utilise les murs pour communiquer, et il y a beaucoup de moments où on met les gens ensemble de manière synchrone. Et alors ça, c'est vraiment un des points communs à tous les livres qui parlent de la nouvelle façon de travailler, qui est, on oublie le mode asynchrone où on s'envoie des choses par email, on ne se voit jamais et on se décompose, on a besoin de passer du temps ensemble. La deuxième caractéristique, c'est la notion de rituel, c'est-à-dire qu'on va marquer les comportements et la vie d'entreprise par un certain nombre de choses. Donc le stand-up meeting, c'en est un, c'est tous les matins, on se réunit. Dans le scrum, on fait des ateliers de réflexion sur la... Dès qu'on a fini un sprint, on prend une heure pour se dire qu'est-ce qui s'est bien passé. Donc on a, dans les étapes de déroulement du projet ou du produit, tout un ensemble de rituels, parce que, alors c'est l'excellence est une habitude, c'est une citation d'Aristote, donc c'est pas du tout récent, mais c'est cette idée que pour changer, il faut vraiment que ça fasse partie des habitudes. Voilà. Et alors, un bon exemple, effectivement, je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec le développement informatique, mais la méthode agile maintenant qui s'est un peu imposée, c'est la méthode Scrum. Et la méthode Scrum, elle est vraiment construite autour de rituels. Il y a plein de rituels, de début de projet, de fin de projet, de milieu. Et c'est cette idée, effectivement, qu'on va, construire une nouvelle façon de travailler, mais de l'intérieur et en mode émergent. Alors, il y a une complémentarité naturelle avec le management visuel. Effectivement, on utilise des grands tableaux, des salles projets. On a été frappé, nous, dans notre expérience Bouygues Télécom, on a visité TDC. TDC, c'est un opérateur téléphonique danois et nordique qui a obtenu qui voulait augmenter sa productivité, comme tout opérateur qui se respecte, et qui a obtenu des résultats spectaculaires. Ils avaient regardé le lead management façon Toyota, ils ont retenu juste une seule idée, c'est d'avoir un tableau sur lequel les objectifs de tous sont écrits, et une réunion le matin où chacun raconte ce qu'il a fait la journée la veille, ce qui était difficile, ce qu'il va faire aujourd'hui, et les autres donnent des conseils. Donc, on prend toute la pratique du lead management qui est en comme ça, et on prend tout petit bout, mais vraiment un tout petit bout, mais fait sur 2000 personnes tous les jours, sans faille, avec une... Voilà, on en fait vraiment une habitude. Et ils ont gagné sur des fonctions de back-office vraiment pas très glorieuses, donc un truc assez routinier, 30% de productivité. Donc des gains très très forts. Des gains très très forts. Et ça, c'est la puissance de, à la fois, la synchronisation et le management visuel. Alors, le management visuel, il peut servir à faire des choses simples, il peut servir à faire des choses plus sophistiquées. Le Kanban, le nom du Kanban, ça vient de Toyota, et c'est les petites cartes qu'on met dans les usines de voitures pour symboliser le flux, pour pouvoir le piloter en flux tiré, c'est-à-dire en partant de la demande, plutôt qu'en flux poussé, c'est-à-dire j'ai fini, je le passe au voisin, et ainsi de suite. Et là, vous avez une illustration d'un Kanban informatique, d'un projet informatique où les gens utilisent des post-it pour représenter les tâches à faire et un tableau qui montre ce que chacun fait et dans quel état on est. Alors le premier intérêt du Kanban, alors ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup pratiqué, c'est même amusant à quel point ça marche bien, c'est de visualiser pour tout le monde le travail en cours. Parce que finalement, la première
La première raison pour laquelle on sous-performe, c'est quand on prend trop de choses à faire. Et la meilleure façon de prendre trop de choses à faire, c'est de ne pas arriver à le visualiser. Donc le Kanban, c'est vraiment une... Ces recettes bouddhistes chinoises, c'est extrêmement simple. C'est tout d'un coup, on se force à voir, à visualiser tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça a un effet auto-stabilisant très fort. C'est-à-dire que quand les gens voient tout le travail, tout d'un coup, ils disent, bon, il y en a trop, ils évitent de surcharger. Ça, c'est, je dirais, c'est l'étape zéro. L'étape 1, c'est l'intérêt du Kanban, c'est par colonne et on voit le flou, on voit les étapes, c'est de se dire, effectivement, c'est pas la peine que je me presse à terminer ça si la personne qui va récupérer le truc derrière, lui, est déjà complètement charrette, si vous me passez l'expression, en tout cas complètement surchargé. C'est de commencer à visualiser le flux et de se dire, je vais adapter mon rythme en fonction de ce que l'autre derrière peut traiter. Dans la plupart des projets informatiques sur lesquels j'ai travaillé, quand on fait un audit, on arrive dans une nouvelle structure, on entend, ah, mais je comprends pas, moi je fais mon truc, mais là. Alors, le développeur a fini, mais le testeur est en retard. Le testeur a fini, mais celui qui met en prod est en retard. C'est toujours, moi j'ai fini mon truc, mais l'autre ne tient pas le rythme. Et l'idée du lean management qui est derrière le Kanban, c'est effectivement de réguler en flux tiré, c'est-à-dire que chacun soit au service de celui qui le suit. Et ça donne vraiment une bien meilleure performance d'un point de vue presque mécanique des flux, je veux dire, mais surtout au point de vue d'état d'esprit, ça change radicalement la collaboration. Et alors, une fois qu'on se met effectivement à vivre avec ce tableau, on arrive dans cette logique de flux tiré. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, qui est très concret, c'est de dire à des architectes qui sont au service des développeurs. Et alors ça, c'est vraiment... Si vous êtes un architecte, en général, c'est que vous avez été développeur, puis vous avez été bon, vous avez reconnu, à un moment, vous n'avez plus besoin de taper des lignes de code, maintenant, vous réfléchissez, vous faites des concepts. Et alors, quand je suis arrivé chez Bouygues Telecom en 2000, effectivement, les architectes, c'était les meilleurs, c'est l'élite, hein, et ils font des beaux documents qui passent au chef de prod, en disant, voilà, c'est ça que vous allez faire. Et leur dire, dans un monde, dans un fonctionnement en ligne, vous êtes là pour aider les gens qui programment, parce qu'effectivement, quand on programme en mode agile, je ne vous l'ai pas dit, mais les critiques, assez faciles, dès qu'on est en incrémental, on accumule. Hein, donc on produit, j'allais dire du garbage, enfin on produit des choses de faible qualité. Donc si on est agile, on doit jardiner, on doit refactorer. En permanence, il y a un équilibre, c'est pas magique. Quoi. Il ne suffit pas de se dire à partir de maintenant, on réfléchit plus, et tous les jours on prend un problème, on le résout et on attend demain. Parce que si on fait ça, rapidement, on fait des petits pas, mais ils vont nulle part. Donc on a besoin de vision, de planification et d'architecture. Mais mettre l'architecture au service de ceux qui font, c'est vraiment une révolution copernicienne. Ça, c'est le principe du MVP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, faire du MVP, c'est l'exemple du vélo est assez rigolo, c'est vraiment passer de la culture projet à la culture produit en se disant, je vais faire un objet qui permet de collecter le feedback des clients. Alors, j'ai mis dès que possible, mais pas avant. C'est une petite plaisanterie pour dire, effectivement, on cherche bien à apprendre le plus tôt possible, mais on sait que pour apprendre, il faut avoir quelque chose à dire. Alors, le Lean Startup, c'est un best-seller qui s'est bien répandu parce que, entre autres, Eric Ries a été très acclamé chez Google. Donc maintenant, c'est devenu une bonne recette d'innovation dans le monde numérique. Ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est issu d'un mouvement plus ancien qui s'appelait le prototyping, qui défendait justement l'importance de l'action. Et ce qui est finalement le plus frappant quand on travaille dans une DSI, c'est un changement de culture pour passer du projet au produit. C'est-à-dire le projet, il y a un début, une fin, puis après on passe à autre chose. Le produit, c'est jamais terminé. C'est terminé au moment où on enlève le produit du marché, mais c'est une démarche d'amélioration continue. Et donc c'est forcément centré autour du client et centré autour de la mesure. Mettre le client au centre de l'organisation, c'est une autre caractéristique de ces organisations modernes, c'est de se dire, on n'a pas une direction de la relation client ou une direction... c'est chaque équipe qui doit comprendre les besoins du client. Alors, c'est à la mesure de ce qu'elle fait, mais il faut arriver à mettre le client au centre de tous les plateaux et partout dans l'organisation. Donc, ça se fait alors soit de manière vraiment pragmatique, en faisant venir des gens, ou de manière symbolique, en disant des représentants du client, mais en tout cas, il est essentiel que le client soit au cœur des équipes de production, et de faire travailler tout l'ensemble de l'entreprise autour de user stories. Alors ça fait partie du jargon des méthodes agiles en disant finalement on ne réfléchit pas sur un besoin fonctionnel, on réfléchit sur une expérience client.
Et ça peut sembler presque stupide, hein, ça se ressemble, hein, c'est juste une question de vocabulaire, de termes, de quel est le sujet, quel est le verbe et complément. Mais je vous assure que vous faites travailler des développeurs avec des user stories, vous n'avez pas le même code que si vous leur racontez, vous leur donnez la liste des fonctions que le logiciel doit faire. Voilà. Et alors moi j'utilise chez AXA une métrique qui est, quand je suis dans une réunion, je compte le pourcentage de phrases dont le sujet est le client et le verbe est un verbe d'action. Et c'est mon indicateur de customer centricity. Et alors, cet indicateur, dans une start-up, il a 50. Chaque fois que j'emmène mes collaborateurs à la Silicon Valley, je leur dis, regarde, vous allez voir, on a passé une heure, comptez le nombre de fois où on va parler du client. Et on ne fait que ça, on parle du début à la fin de la vie du client. Alors ça, c'est une image de hackathon, qui est un bon exemple. Vous savez que c'est un hackathon, c'est un concours de codeurs. On pose un problème, on crée une plateforme, on donne des logiciels et on dit aux gens, voilà, faites des choses. C'est une façon de faire toucher du doigt qu'effectivement, innover, c'est agir, c'est faire des choses. Yves Morieux, donc vous avez compris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dans la même conférence, a expliqué très justement que pour collaborer, pour coopérer, il faut avoir des marges de manœuvre. C'est-à-dire que quand on fait du cost-cutting à l'infini et qu'on resserre, mais tout d'un coup, on est en silo, il n'y a plus du tout de coopération. Donc, ce n'est pas par hasard que dans toutes ces entreprises libérées, on donne du temps aux gens. Hein, les fameuses règles des 20% de Google. Il faut donner de l'autonomie et des marges de manœuvre, et après, favoriser l'alignement. C'est-à-dire que ce ne soit pas chacun qui fait sa petite expérience dans son coin, mais qu'il y ait un espèce de vent commun qui tire les énergies ensemble. Et la bonne façon de faire ça, donc, c'est pour ça qu'on met le client au centre, c'est de se dire c'est la voix du client, c'est l'usage client qui va nous juger de paix commun. D'où la espèce de formule un peu lapidaire, disant innover dans cette entreprise 3.0, c'est donner de l'autonomie à ceux qui font et écouter le client. Voilà. Et ça, c'est une rupture parce qu'on est encore beaucoup dans l'idée que innover, c'est faire des concours d'idées. Voilà. Et c'est bien de faire concours d'idées, mais ça ne produit pas d'innovation. Et là, j'ai terminé, c'est mon dernier slide, sur la pratique du Gemba Walk. Alors ça, c'est du jargon Lean, je suis désolé, mais il se trouve que c'est une pratique que j'apprécie particulièrement et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors, je l'apprécie parce que j'ai résisté pendant de nombreuses années. Michael Bailey, donc vous avez compris, c'est quelqu'un que j'aime bien et qui me sert de coach dans le monde du Lean, m'avait dit, il faut faire le Gemba Walk. Le Gemba Walk, c'est le manager qui va, donc à la japonaise, va sur le terrain face à son équipe de production et écoute, comprend ce que font les gens et puis éventuellement pose deux, trois questions. Les points clés là-dedans, c'est d'observer le travail tel qu'il se produit et en situation et d'être à l'écoute. Alors moi, je faisais des petits déjeuners collaborateurs où ça ressemble quasiment à la même chose. C'est-à-dire que je les fais venir et je leur dis « racontez-moi ce que vous faites et parlez-moi de vos problèmes ». Et je pensais que c'était très proche du Gemba Walk. Alors pas du tout, du tout, du tout. Le Gemba Walk avec des développeurs, ça consiste à arriver, à s'asseoir à côté d'un développeur, dire « bouge pas, fais comme si tu n'étais pas là, mais par contre, je vais te ralentir un peu, tu vas juste me dire ce que tu es en train de faire ». Et je peux vous dire que moi, quand j'ai fait ça, c'était ma 10e année de Bouygues Télécom, et j'ai découvert avec horreur que depuis 10 ans, je manageais des trucs auxquels je ne comprenais rien. En fait, que vraiment, je n'avais pas du tout idée de ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Ça, c'était un moment de grande humilité et vraiment parti fort parce que ça faisait 10 ans que je faisais des petits déjeuners collaborateurs. Et donc, je me suis dit, bah oui, j'ai bien compris, il faut parler avec les collaborateurs. Donc, dans un Gemba Walk, le rôle du manager, c'est d'écouter, d'apprendre, et puis de répéter justement la vision, puisque c'est le fameux trou noir. Le Gemba Walk, c'est l'application pratique aussi de ce principe de l'humour. Le manager, il porte la vision. Et en s'asseyant à côté du développeur, dans ce dialogue assez informel, il fait passer des messages. Donc. Mais le plus important, effectivement, c'est que c'est un rituel fondé sur le dialogue et ça transforme le manager, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, il est temps de conclure, je suis un peu long. Ça, c'est la première... Premier slide, c'est pour répondre à Michel. Oui, oui, je suis d'accord, il y a bien une rupture de paradigme. Il y a une rupture de paradigme, et vous l'avez vu, ma clé de lecture, qui se discute, mais qui est riche, c'est de dire finalement, face à la complexité, il faut qu'on change la façon de travailler. Il faut passer d'une vision très volontariste, je dirais 20e siècle, à du management, management de l'émergence. Et je fais référence au livre de François Julien, pour ceux qui le connaissent, parce que finalement, c'est très très bien expliqué dans son bouquin. La deuxième idée que j'ai essayé de développer, c'est qu'on peut interpréter tout ça avec une vision systémique, système complexe. Je pense que ce n'est pas la seule. Dans les livres que j'ai cités, il y a des gens qui n'ont aucune culture système complexe et qui racontent la même chose. Ou vous avez Jorgen Apello qui finalement lui fait tout. C'est un clone complet de ce que je vous ai raconté, qui fait la même proposition. Mais de toute façon, on arrive à cette
conception d'entreprise qui est un réseau de cellules autonomes avec un contrôle distribué, mais une finalité unique. Et le dernier message que je vous ai fait passer, c'est qu'effectivement, tout ça, ça conduit à renouveler la vision du management. Le rôle du management est différent. C'est d'abord d'organiser un apprentissage permanent de ces cellules, donc, parce qu'on a quand même besoin de management, d'organiser la cohérence de la finalité partagée et d'être les garants de la culture, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler trop, mais cette transformation, elle repose sur le respect et la collaboration, qui sont tout sauf évidents. Et donc, le manager a un rôle clé dans d'être le garant de cette nouvelle façon de travailler. Mais je voulais plutôt, pour lancer le débat, avoir un stade plus agressif, qui est, là j'ai la conviction que c'est le début du changement et que les entreprises qui ne changent pas vont disparaître. Parce que, d'abord, c'est la seule façon de faire de l'innovation de manière soutenable, c'est-à-dire continue et soutenable, à des coûts raisonnables. C'est-à-dire que la façon ancienne d'innover que j'ai pratiquée, moi, depuis 10 ans, elle est tout simplement trop lente et trop chère. Donc, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, pour faire du logiciel qui marche, ce que j'appellerais les méthodes géants du web, open source, petite équipe, autonome, faire confiance aux développeurs, tout ça, ça marche tellement plus vite, tellement mieux que la façon d'avant, cahier des charges, machin, que si on accepte le postulat de Marc Andreessen disant le software est en train de manger le monde, alors on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien... Je dois faire attention à ce que je dis puisque je suis filmé. On pouvait très bien autrefois faire fonctionner l'entreprise avec des coûts informatiques trop élevés parce que par ailleurs on faisait des marges et que c'était noyé dans l'entreprise. Je pense que demain c'est plus possible. Si l'IT fait 30% de la masse, c'est plus possible. Mais ça, on en monte en troisième point. Les barbares sont à nos portes. C'est qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont compris ce que je raconte. C'est-à-dire que, et ça, c'est la grande différence par rapport à il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça frémissait. C'était plutôt une pensée de gens qui faisaient de la théorie d'organisation, qui se rencontrent entre eux. C'est le petit club des illuminés. Maintenant, en fait, on est totalement marginaux et has-been. Ce qui compte, c'est que pendant que nous, on cause, il y a des gens qui font. Et les gens qui font, ils réussissent à fond la caisse. Voilà. Et c'est ça, le message le plus important. D'une certaine manière, la difficulté, ce serait comment trouver des gens qui pratiquent tout ce que je vous ai raconté, et derrière, les extraire, les motiver pour vous raconter ce qu'ils font. Mais c'est vraiment spectaculaire. Et alors, dernier point, qui est mon thème du moment, c'est que si on se met dans 20 ans avec des robots autonomes et de l'IA distribuée partout, alors je pense que là, le choc est encore plus rude. C'est-à-dire que l'entreprise 3.0, je pense qu'elle peut accepter, elle peut absorber ce nouvel environnement et en profiter, et l'entreprise d'avant, elle va tout simplement exploser. Voilà. Donc je pense que je termine là et je peux passer.